famille de Mouscouteur 3 2.0 et vous êtes dans le canapé confiné. Je suis à la maison, dans la chambre, Abidjan, Côte d'Ivoire, et voilà, ça se passe bien ici. Mes journées se ressemblent un peu. Voilà, à cause du confinement, vous connaissez. On se réveille, déjà on dort très tard. Ouais, on se réveille, on va dire à 13h, 14h, tu vois. Je regarde la télévision, fais mes prières de 13h, c'est tout. Hein. Après, il y a des jeux, je joue des jeux vidéo, je regarde Netflix et je sors que quand c'est nécessaire. Je vais au studio, je vais travailler sur des prods et tout, quand ils ont besoin de moi. Quand c'est vraiment urgent, quand il y a l'argent qui m'appelle, bah, je réponds présent et je rentre à la maison aussitôt. Rien de spécial, on regarde des vidéos sur YouTube ici. Voilà, et PS4 ou du corps. S'amuser un peu, check mon bonheur. Alors on est dans le mois de carême, mais sinon c'est les chills, c'est tout ça. Par rapport au jeu, il y a le jeu FIFA, Mortal Kombat, NBA, PS, ça je joue plus. Je joue plus ça. Sinon les trois, je joue les trois. Je joue Tekken, les bye bye. Chinois, c'est mon second. Chinois, c'est mon sang. Et c'est venu naturellement. C'est pas comme si on se connaît il y a des années, non. Le truc est passé vite. Après, on se comprend tellement. Nous-mêmes, ça nous étonne souvent. On s'enferme au studio. On n'a pas de difficultés pour créer des hits, on va dire, tu vois. Et on s'est connus. Dans le clash là, clash que Didi organisait, mais c'était pas notre clash, c'était le clash d'autres rappeurs. Il était venu, il a fait un freestyle. Après, on se connaissait de nom, Bemus Kante China. Donc, quand il a fini, il est passé à côté de moi. Je lui ai dit, vas-y, Jean, tu as déchiré, c'est bien. Il m'a dit, à Foy, on nous a informé que c'était nous les prochains, moi contre lui. Mais en fait, on n'a jamais été en parlable. Tout ce qui a été fait, c'était que pour le show, tu vois. On s'est clashé que pour le show. Après, mes fans et ses fans se sont un peu disputés sur qui a gagné, tu vois. Mais bon, on sait qui a gagné. Mon actualité, j'ai fait sortir mon son Lox. Demain, j'ai fait mes Lox. J'ai fait sortir. C'est en ligne. Ouais, c'est en ligne. Sur YouTube. Là, maintenant, je vais faire sortir un nouveau truc. Le Yemouté, le Yemouta, là, je vois que beaucoup de gens ne sont pas contents. Ça parle. Il y a des gens qui disent que non, si je fais sortir le son, bah, ils veulent boycotter ma sortie et tout. Vous savez, on lapide l'arbre qui porte le plus de fruits. Voilà. Donc, ils sont beaucoup sur moi. Mais le son va bien sortir avec un gros clip à l'appui. Yemouté, le Yemouta, là, à l'appui. Avec une bonne danse aussi à l'appui. Du coup, voilà, c'est mon actualité actuellement. Après ça, il y a des sons avec Chinois qui arrivent. Des sons de malade. On a notre mixtape qu'on prépare toujours. Mais on n'est pas pressé, on veut faire un truc super bien. Concernant le Covid-19, voilà, respecter les règles d'hygiène. Ouais, les règles d'hygiène prescrites par l'État, respectez ça. Respectons ça. Voilà. Et respectons aussi le couvre-feu. Parce que c'est pour notre bien que tout ça a été inséré. Et si on veut vraiment reprendre notre vie qu'on a l'habitude de faire, on doit vraiment se sacrifier un peu contre cette maladie. On se bat contre un ennemi invisible, on va dire, tu vois. Du coup, c'est mieux, on respecte les règles d'hygiène. Et voilà, que chacun prenne soin de lui en ensemble. Bisous.